Chers amis téléspectateurs de TVL, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Les femmes peuvent-elles gouverner comme des hommes ? À cette question qui peut nous paraître totalement incongrue, voire provocatrice aujourd'hui, l'histoire répond oui et plutôt 10 fois qu'une. L'image qui prédomine le plus souvent chez nos contemporains sur la place occupée par les femmes lors des siècles passés dans nos sociétés occidentales est doublement faussée. D'abord, par le legs de la bourgeoisie du XIXe siècle. S'il ne fut pas avare lui aussi de grandes et belles figures d'émancipées, il nous montre surtout une gente féminine corsetée, encagée, infantilisée par le règne des convenances et des règles sociales qui l'emprisonnent. Ensuite, par un néo-féminisme gauchiste en provenance des campus californiens, lui-même influencé par la French Theory qui, dès les années 60, s'est évertué à imposer l'image d'un patriarcat occidental détestable et oppresseur, enfanté par la civilisation helléno-chrétienne. Pourtant, notre histoire regorge aussi de femmes de pouvoir. Aliénor d'Aquitaine, Blanche de Castille, Anne de Beaujeu, Catherine de Médicis ou encore Anne d'Autriche, ces femmes prirent en main les destinées du royaume d'Hélice. Mères de rois, elles ont exercé le pouvoir dans le cadre d'une régence, régence qui incarne l'expression de la continuité monarchique au nom de sa légitimité par l'exercice du pouvoir par un tiers en cas d'empêchement du souverain lui-même en raison de sa minorité ou de son absence en cas de guerre ou de captivité par exemple. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'une d'entre elles, je ne l'ai pas citée, Louise de Savoie, mère de François Ier. Dotée d'un véritable don pour les affaires politiques, d'une solide culture humaniste, diplomate hors pair, elle porta à son apogée le pouvoir au féminin. Et pour nous en parler, je reçois une femme, Aubrey David Chappie. Aubrey David Chappie, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée, docteur en histoire, spécialiste de l'histoire des femmes au XVe et au XVIe siècle. Et vous avez déjà publié chez Passé Composé une biographie d'Anne de France qui fait référence. Anne de France qui fut non pas régente, mais vous allez corriger moi si je me trompe, la tutrice de Charles VIII. Vous étiez d'ailleurs venu en parler sur ce même plateau avec Philippe Conrad. Et vient de sortir, toujours chez Passé Composé, votre dernier ouvrage consacré à Louise de Savoie. Alors, après Anne de France, vous vous attaquez donc encore à une femme de pouvoir. Est-ce que ces femmes de pouvoir vous fascinent ? Oui, elles sont assez fascinantes et en fait, aux origines de ces deux biographies successives, il y a en fait une thèse qui a été consacrée aux deux à la fois parce que ce sont deux femmes qui se sont succédées dans le temps à la tête du pouvoir, l'une en 1483, la seconde à partir de 1515. Et ce qu'il y avait d'intéressant à étudier deux femmes et non pas une, eh bien, c'était que l'on pouvait percevoir les évolutions dans leur pouvoir notamment et dans leur manière de gouverner. Voilà, donc pourquoi j'ai étudié deux femmes qui sont toutes les deux aussi fascinantes. Mais vous ne lancez pas dans une série sur toutes les femmes de pouvoir au Moyen-Âge, pourquoi pas ? Oh, mais ça serait intéressant de faire un livre qui retrace justement ce pouvoir au féminin du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Oui, qui est très important, et comme je disais en introduction, finalement, alors, c'est vrai qu'on peut dire que l'histoire a été écrite par des hommes pour des hommes, oui, mais qui a occulté un peu ce pouvoir qui est réel. Oui, un pouvoir tout à fait réel, et en effet, vous aviez raison de le dire, hein, c'est vraiment le XIXe siècle qui a mis un filtre entre ce qui s'était passé avant et ce qui est venu après, et qui surtout un filtre qui déforme et qui a donné l'image d'un Moyen-Âge misogyne qui ne laissait aucune place aux femmes. Alors là, on est plus à la Renaissance, mais même si l'introduction du droit romain à la Renaissance n'est pas très favorable aux femmes, eh bien, il y a quand même de grandes possibilités d'exercice du pouvoir, et nous allons en parler aujourd'hui. Alors, qui est cette Louise de Savoie ? Elle voit le jour le 11 septembre 1476. De quelle famille est-elle issue ? Alors, Louise de Savoie, c'est une Bressane. C'est la fille de Philippe de Bresse, qui devient plus tard duc de Savoie. Mmh. Elle grandit donc jusqu'à ses 4-5 ans. Elle grandit à Pondin. Voilà, c'est pas très connu. Donc, actuellement, c'est dans l'est de l'Ain, voilà, c'est ça. Pas très très loin de Bourg-en-Bresse. Donc, elle ne grandit pas à la cour de Chambéry, qui était une cour assez fastueuse également, évidemment moins riche que celle de la cour de France, mais quand même une cour, où les femmes avaient une grande culture, puisque on a des exemples avec notamment la sœur de Louis XI, Yolande de France.
qui est duchesse de Savoie dans les années 1450-1460, et qui est une femme à la fois de pouvoir et une femme très cultivée. Donc elle a des femmes très cultivées dans sa famille, du côté savoyard. Et puis, par sa mère, Marguerite de Bourbon, c'est une Bourbon, et ça c'est très important, je pense qu'on en reparlera, puisque ça la rattache au lignage royal. Donc ça en fait ce qu'on appelle une fille de France. Alors, pas une fille de France parce que ce n'est pas une fille de roi, mais elle se rattache quand même aux filles, au lignage de France. Voilà. Alors, à 7 ans, elle est envoyée à la cour de France, justement. C'est la tradition d'envoyer les petites princesses. Enfin, ce n'est pas une princesse d'ailleurs. Quel titre elle a? On la considère comme une princesse? C'est quand même une princesse. Une princesse, oui, d'accord. On peut dire une princesse de manière générique. Mm-hmm. Est-ce que c'est une tradition? Oui, parce que, elle est donc rattachée par ses deux parents au roi Louis XI qui règne alors et à son épouse Charlotte de Savoie, mm-hmm. qui est une savoyarde donc. Et en tant que petite nièce de la reine, elle est accueillie avec son frère Philibert à la cour de France à la mort de sa mère. Donc c'est le roi de France à l'époque est Louis XI. Et Louis XI. Et alors, j'aime bien aimé la description que vous faites. Vous dites que c'est une cour très féminine, ça fourmille de petites princesses. Oui, ça fourmille alors, de petites princesses. On s'imagine des petites princesses qui courent partout dans les jardins de. Et ce qui était amusant, en fait, c'est qu'à la même époque, donc dans ces années 1483-1484, il y a énormément de petites princesses qui arrivent. Mm-hmm. C'est des petites filles qui ont généralement perdu leur mère. Leur père les envoie parce que c'est très prestigieux d'être éduquée à la cour de France. En l'occurrence, celle qui domine la cour de France à ce moment-là, c'est Anne de France. De France, la dame on va en parler, de Beaujeu, oui. Elle les reçoit tour à tour en sa cour, donc Louise de Savoie, mais également mm-hmm. Marguerite d'Autriche, qui doit épouser le jeune Charles VIII. Bon, elle sera répudiée quelques années plus tard, mais à ce moment-là, elle est quand même considérée comme la petite reine. On a également Philippe de Gueldre, moins connu, mais tout de même qui devient duchesse de Lorraine. Philippe de Gueldre, c'est quand j'ai lu le livre, je ne comprenais pas pourquoi Philippe épousait René. Voilà. Mais, parce que Philippe pouvait être un prénom féminin. Oui, Philippe ou Philippa. Je ne le savais pas, je l'ai appris. Voilà, et donc on a tout un ensemble de petites princesses qui arrivent et qui sont éduquées les unes avec les autres. Elles sont à peu près du même âge. Mm-hmm. Et donc, on a un vivier de princesses qui vont devenir des femmes de pouvoir et qui grandissent ensemble et qui, donc, se connaissent assez bien. Et donc elles sont à l'époque donc la figure féminine importante c'est Anne de France. Oui. Et vous dites que c'est l'une des femmes à l'époque l'une des femmes les plus puissantes d'Europe. Et est-ce que ça va vraiment être un modèle oui. pour Louise de Savoie. Oui, Anne de France c'est une femme politique de grand talent. C'est une femme forte aussi, véritablement. Elle sait s'imposer face à tous ses détracteurs et à ceux qui veulent tous ceux qui lui contestent le pouvoir. Donc elle s'impose par les armes. Donc vraiment une femme forte au sens propre du terme. Et c'est aussi une femme extrêmement cultivée et qui transmet à toutes ces petites filles qu'elle éduque son amour des livres, mm-hmm. Sa culture. C'est une culture qui va d'Aristote à Saint-Augustin jusqu'aux humanistes des débuts de la Renaissance, comme Boccace. Elle transmet aussi la connaissance de Christine de Pisan, qui est un personnage fondamental. On en reparlera. Et donc, en fait, elle leur enseigne des choses, très probablement de manière personnelle, mm-hmm. probablement des conseils sur la manière de se tenir à la cour, sur la manière de se comporter, de devenir une princesse. Ça, c'est une première chose. Elle leur donne aussi des précepteurs de qualité, très probablement. Alors, on n'en connaît pas les noms, mais on sait que voilà, les choses se sont passées ainsi. Et puis, Anne de France leur inculque aussi une solide éducation religieuse, mm-hmm. puisque pour toute femme et pour tout homme, d'ailleurs, à cette époque, la première chose la chose la plus importante dans l'existence, c'est de faire son salut. Donc le salut passe par une vie de vertu. Voilà. Et cette vertu, elle se décline en de très multiples qualités, que ce soit la prudence, la sagesse, l'humilité, etc. Mmh. Et il est évident qu'Anne de France a légué à Louise de Savoie, son art du gouvernement et puis aussi de très nombreux principes de vie. Alors, elle va épouser à 12 ans, c'est un mariage politique, oui. bien sûr. Elle va épouser Charles d'Angoulême. Oui. Il a 29 ans. Oui, il est quand même un peu plus âgé qu'elle, il a fait une vingtaine d'années d'écart quand même. Donc, elle quitte la cour de France pour aller à Cognac. Oui. Est-ce que c'est un déchirement, un déracinement, ou c'est une cour qui est également cultivée et... Alors,
Si on doit replacer les choses, la cour de Cognac n'a rien à voir évidemment avec la cour de France. Ça, c'est une chose évidente. Cependant, c'est quand même une cour princière puisque les Angoulèmes sont des Valois et sont des descendants de Louis d'Orléans assassiné à l'époque de Charles VI. Mm-hmm. Donc c'est quand même, ce sont des petits-fils ou arrière-petits-fils de rois de France. C'est donc une famille princière importante dans le royaume. Charles d'Angoulême est quand même le deuxième personnage, dans la liste de succession. C'est quand même très important, quand même, d'être le second personnage. Être fondamental pour la suite. Voilà, c'est fondamental. C'est un beau mariage pour Louise de Savoie. Et cette cour de Cognac, bien que modeste, parce que c'est une petite cour provinciale, est très marquée par la culture humaniste. Il y a beaucoup d'humanistes qui gravitent déjà autour de Charles d'Angoulême au moment où Louise de Savoie arrive à Cognac. Et elle va être probablement fascinée par cette vie culturelle. Octavien de Saint-Gelais parle du second paradis quand il parle de Cognac. Pour eux, c'est un lieu de douceur, où il fait bon vivre. Hein. D'ailleurs, il y aura aussi François Ier est très très attaché par la suite à la Charente. Et Louise arrive donc finalement dans un environnement intellectuel. Elle n'est pas malheureuse, elle continue son éducation, elle continue de lire, il y a une bibliothèque. Ça. Oui. C'est ça. Elle fait rapidement, à 15 ans, entre 15 et 17 ans, deux enfants. Voilà. Marguerite et François. Oui. Et à 20 ans, Charles d'Angoulême meurt, donc elle est veuve. Oui. Et là, c'est un tournant pour sa vie, parce que vous, un intertitre, vous écrivez « Veuve à jamais ». Voilà, c'est ça. Alors, en effet, comme toutes les princesses et beaucoup de femmes de son époque, elle a des enfants extrêmement jeunes. Alors, elle n'a le temps d'en avoir que deux. Marguerite d'Angoulême, qui deviendra ensuite Marguerite de Navarre, une poétesse, écrivain, reine aussi de Navarre, grand-mère d'Henri IV, donc une femme promis à un grand avenir. Et puis, évidemment, son second enfant, François, celui en qui elle met absolument tous ses espoirs. Voilà, c'est son César, pour qui elle éprouve un amour infini, débordant, peut-être un peu oppressant, mais ça c'est une autre question. Ce fils, il est destiné à devenir roi. Ça elle ne le sait pas encore. Voilà, ça elle ne le sait pas. Enfin, elle ne le sait pas. Il est dans la liste. Il est sur la liste, des prétendants au trône. Et puis, Saint François de Paule, qui vit à la cour de France, qui est donc un saint extrêmement apprécié par les princesses, lui aurait prédit qu'un jour, il deviendrait roi de France. Mmh. Alors François s'appelle François pour deux raisons. On a dit souvent que c'était à cause de Saint François de Paule, justement, mais enfin, il faut aussi dire que c'est François de la Rochefoucauld qui est le parrain de François d'Angoulême. Donc ça pourrait aussi expliquer le prénom. Et donc ces deux enfants sont tout pour elle. Avec son mari, elle a certainement eu des bonnes relations intellectuelles, mais enfin, quand elle est arrivée, il avait déjà sa maîtresse bien établie, il a eu des enfants avec ses maîtresses. Hein, Louise a été quand même obligée d'élever les filles, ses belles-filles, avec elle à la cour. Donc, a priori, son mariage, c'était pas un grand mariage d'amour. Et donc, le veuvage n'est pas pour elle une catastrophe, et à la limite, il va même s'offrir comme un espace de liberté. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ces hommes qui avaient des maîtresses, ils savaient aussi faire la part des choses entre, d'une part, leur vie privée, et puis ce qui relevait véritablement du politique. Donc en fait, cette Louise de Savoie, qu'il n'a peut-être jamais aimée, il en a certainement quand même perçu les qualités, et c'est pour ça qu'il a fait rédigé un testament qui était extrêmement favorable à Louise et qui lui permettait d'avoir l'administration de tous les biens de la famille d'Angoulême, et puis aussi de pouvoir élever ses enfants. Et vous disiez donc veuve à jamais, oui. C'est-à-dire qu'elle prend une tenue même vestimentaire qu'elle ne quittera pas de toute sa vie. Voilà, c'est ça, parce que en fait, le veuvage lui permet d'être libre puisqu'elle n'est plus sous la tutelle d'un homme et d'un mari. Bien sûr. Donc en fait, c'est pour elle, c'est très important. Et puis aussi, le veuvage, c'est la femme veuve, c'est la femme que l'on considère comme sage, comme prudente. Et donc cet habit noir, lui permet de s'imposer à la cour comme une figure de sagesse et de vertu. Et une grande reine reprend
par la suite cet habit noir qui s'impose en fait par son caractère un peu unique à la cour. Mais c'est Catherine de Médicis. Oui, elle reprend, sur les tableaux, elle est tout en noir au milieu d'une cour multicolore. Donc finalement, c'est une manière de s'imposer. Alors, c'est à la cour de France que va jouer son destin, oui. Destin de François, parce que Charles VIII meurt sans héritier. Son successeur, Louis XII, lui, n'a pas encore d'enfant. Donc, c'est François qui devient le dauphin. Oui. Donc là, elle devient la mère du dauphin. Est-ce que l'éducation qu'elle donne à son fils va changer à ce moment-là? Alors, donc en 1498, à la mort de Charles VIII, en effet, François d'Angoulême devient le premier prétendant au trône. Puisque Louis XII n'a pas d'enfant. Voilà. Alors, il ne porte pas le titre de dauphin à ce moment-là, puisqu'en fait, seuls les fils de roi, normalement, ont le droit de le porter. Et il n'est pas le fils du roi. Mais Louis XII, avec le temps, voyant que sa femme, Anne de Bretagne, ne parvient pas à lui offrir d'héritier, accorde le titre de dauphin en 1505, donc, à François d'Angoulême. Et en même temps, comme il sait que la mère, le fils ne va jamais sans la mère, finalement, il accorde le titre de mère royale à Louise de Savoie. C'est donc lui octroyer un statut très particulier à la cour en tant que mère du dauphin. Et évidemment, ce dauphin, il faut, comme on dit à l'époque, l'endoctriner. C'est-à-dire lui apporter une éducation de grande qualité. Et Louise de Savoie est tout à fait à la hauteur, puisqu'elle va éduquer elle-même son fils, et puis sa fille aussi d'ailleurs en même temps, et en même temps elle va lui faire lui donner des précepteurs de très grande qualité pour la plupart des grands humanistes. Voilà. Alors Louis XII meurt sans enfant, et alors elle tient un journal, hein. C'est une source importante j'imagine, le journal de Louise de Savoie, et elle écrit, je trouve ça charmant, « Le premier jour de janvier 1515, mon fils fut roi de France. » Voilà. C'est toujours très bref, le journal de Louise de Savoie. Alors, on pense qu'en fait, il a été rédigé de manière un petit peu ésotérique, puisque finalement, l'ésotérisme, la cabale, etc., c'était en vogue sous Catherine de Médicis, mais ça commence déjà avant. D'accord. Donc, en fait, elle fait très attention aux dates et aux astres. Donc, en fait, elle retient uniquement dans son journal certaines dates, et ce qui explique que parfois, certaines choses soient très importantes et qu'elle ne les évoque pas, et puis que par ailleurs, elle évoque des choses moins importantes. Bon, là, en l'occurrence, le 1er janvier 1515, c'est quand même très important. « Mon fils fut roi de France », c'est enfin l'accomplissement les espoirs de toute une vie qui sont comblés. Alors justement, ce fils, il a quand même 20 ans. Oui. Ce qui, pour l'époque, voilà, on peut tout à fait gouverner à 20 ans. Mais elle compte pas rester dans l'ombre. Alors, quelles sont les relations entre le fils et la mère? C'est une relation extrêmement fusionnelle, je pense. Oui, on pourrait dire. C'est une certaine dévotion, qu'elle éprouve à l'égard de son fils. Elle n'arrive pas à couper le cordon? Non, très concrètement, non. Elle l'admire énormément. Il l'écoute aussi. Alors, c'est un bon fils. Oui. C'est un fils qui aime visiblement énormément sa mère, donc qui la comble de titres à peine montés sur le trône. Il la fait duchesse. Il lui accorde de très nombreux privilèges, etc. Et donc, oui, elle l'aime énormément. Et elles sont deux femmes même à être totalement dévouées à ce roi. La mère, c'est un homme entouré et de femmes. La sœur. Voilà, donc elles sont deux même. Et tout au fil de son règne, enfin jusqu'à la mort de sa mère, François Ier lui est aussi totalement dévoué et lui fait une totale confiance. Mais elle, est-ce qu'elle lui fait confiance à son fils pour gouverner? Alors, est-ce qu'elle lui fait confiance? L'histoire ne le dit pas véritablement. Elle le soutient toujours, ça c'est une chose évidente. Et s'il y a des manques de la part de son fils, elle sait les combler. Et notamment, on en reparlera tout à l'heure, j'imagine, à Pavie, elle va se seconder le roi et se substituer à lui. Bien sûr. Alors justement, je voudrais en profiter pour parler un peu de son caractère. Et qu'est-ce qu'on sait de son caractère? Parce qu'on a l'image, par exemple, d'une Marie de Médicis un peu emportée, qui faisait des scènes épouvantables à son mari, d'une Catherine de Médicis aussi. Est-ce qu'on connaît le caractère de Louise de Savoie? C'est une femme mesurée? C'est une femme, physiquement d'abord, elle est comment? Elle est grande, elle est petite, elle est... Alors, c'est une femme de taille moyenne, elle a les yeux bleu-gris, elle a le nez déjà assez fort, qu'elle transmet à son fils hein, oui. il lui ressemble, elle a un regard assez perçant, on sent quand même une certaine vie. C'est une femme qui en veut toujours plus pour son fils.
Elle en veut toujours plus. Et pour elle-même aussi, non? Et pour elle-même. Et pour elle-même, parce que de toute façon, elle se conçoit, d'après ce qu'on lit à travers les sources, hein, elle se conçoit dans une parfaite fusion avec lui. Donc en fait, ce que son fils peut avoir, eh bien, elle l'aura aussi, puisqu'elle est sa mère, et que l'un ne va pas sans l'autre, finalement. Mm-hmm. On n'a pas de source relatant de quelconque colère, des crises. En revanche, elle a un tempérament extrêmement affirmé, elle est certainement très autoritaire, s'imposer. Ça transparaît un peu sur le portrait, d'ailleurs. Voilà. Elle sait s'imposer. Une autorité naturelle. Voilà, c'est ça, elle a une autorité naturelle. Et en plus, elle n'en doute pas de cette autorité, elle ne doute pas de sa légitimité à gouverner, de sa légitimité, à imposer sa volonté aux autres. Alors, en 1515, François Ier poursuit le rêve obsédant de l'Italie, il part en guerre et il institue sa mère régente du royaume. Mmh. Et ce que vous expliquez, finalement, c'est la première fois que... avant, on parlait tout à l'heure d'Anne de France ou même de la mère de Saint-Louis, elles étaient quoi, lieutenant général du royaume, c'est-à-dire tenant lieu de... il y a vraiment le titre de régente qui apparaît dans les textes. Oui, alors Blanche de Castille était baillistre, on lui avait baillé, c'est-à-dire donné la tutelle du roi, le gouvernement, mais il n'y avait pas de titre véritable. Isabeau de Bavière, qu'on oublie parfois, mais qui a quand même eu un rôle assez important, pendant la fin de la guerre de Cent Ans, elle a été lieutenant général du royaume, donc un rôle véritablement politique, alors qu'Anne de France, auparavant, elle n'a eu que la tutelle du roi, c'est-à-dire en fait un rôle privé. Et que, mais son mari, Pierre, était lieutenant général, lui, non? Il est devenu, 10 ans après, pendant la guerre d'Italie, il est devenu lieutenant. Mais en 1483, personne n'avait de titre, il n'y a pas eu de régence. Et Anne de France s'était en fait accaparé le pouvoir parce que comme elle avait le prince auprès d'elle, enfin, le prince, le roi, auprès d'elle, eh bien, elle avait aussi le pouvoir. Mais elle n'avait aucun titre, hormis celui de tutrice. Et François Ier a bien perçu toute la difficulté que comportait cette absence de titre. Ça induit un déficit de légitimité pour des princesses qui souvent déjà gouvernent en des temps difficiles, parce que soit, vous l'avez dit tout à l'heure, soit le roi est trop jeune pour gouverner, et donc c'est un moment de faiblesse pour le royaume et pour la couronne, soit le roi est absent, et c'est aussi un moment difficile pour le royaume, et donc il faut absolument tout mettre en faveur, enfin mettre toutes les chances en faveur de la régente. Et le XVIe siècle, c'est aussi l'époque où l'écrit s'impose. Et c'est l'écrit qui légitime. Et donc il va choisir de conférer la régence de manière officielle par des lettres patentes, par des ordonnances royales. Et là, Louise de Savoie est légitime parce qu'elle est la mère du roi, donc par le sang. Par la nature, mais également par le droit. Et le droit, c'est évidemment fondamental. C'est fondamental et ça évite donc les oppositions, les grands féodaux encore. Et donc, il n'y a pas de contestation. On peut remettre en cause sa politique, mais pas sa présence au pouvoir. En revanche, le roi garde le sceau royal. En 1515. Donc il y a une navette permanente entre l'Italie et la France pour éventuellement sceller les actes ou... Non, ça ne se passe pas comme ça. Comment ça se passe ? En fait, comme le roi est parti avec son chancelier et donc avec le grand sceau, s'il y a des décisions à caractère véritablement fondamental, c'est le roi qui prend les décisions. D'accord. Mais Louise de Savoie, elle, ne peut utiliser qu'un petit sceau. Et ce petit sceau, il est là uniquement pour, par exemple, des affaires courantes. Donc, elle ne gère que les affaires courantes. Donc, en fait, c'est un certain pari qu'a fait le roi. Et globalement, pendant quelques mois, les quelques mois de la première guerre d'Italie de François Ier, les affaires du royaume sont un petit peu suspendues à son retour. Alors, 1515, Marignan. Voilà. D'où le nom de César, évidemment. Le nom de César. Mais après Marignan, donc François Ier revient auréolée de sa gloire italienne, et elle reste à côté de son fils. Oui. On pourrait imaginer qu'il revient vainqueur, il prend les rênes. Non, elle reste à côté de lui et elle fait même partie du conseil. Voilà. Ce qui est exceptionnel, ça arrivait. Une femme au conseil, c'est quand même assez rare. Assez rare, oui. Alors, Isabeau de Bavière avait été au conseil. Anne de France, jamais, puisqu'elle avait un mari.
Donc, c'était son mari qui y allait. Vous voyez, d'où tout l'intérêt de ne pas être marié, hein, parce qu'on peut garder des prérogatives. Voilà, on prend des leçons. Voilà, c'est ça. Et donc, Louise de Savoie était même autorisée par son fils à conserver le titre de régente, mm-hmm. alors qu'il est revenu. Voilà, un titre bon, qui devient plus ou moins honorifique, mm-hmm. Puisqu'évidemment, à partir du moment où François Ier revient, bien, c'est plus elle qui va prendre les grandes décisions. Enfin, du moins, elle est quand même dans l'ombre. Elle les prend, mais elles ne sont pas prises en son nom. Est-ce qu'on sait justement si elle impose des décisions, si elle souffle des décisions? Mais bien sûr, mais c'est une femme d'influence. Mm-hmm. Donc, voilà, après la régence, c'est l'influence pendant une dizaine d'années jusqu'à la seconde régence. Mmh. Et cette influence, elle est très très prégnante, elle est omniprésente même, voilà, au conseil. Et puis quand ce n'est pas au conseil, c'est auprès du roi, bien dans sa chambre, auprès de lui en permanence. Et il n'en avait pas un peu assez, François Ier, il ne s'est jamais rebellé. Non. Bon fils. Mais non, parce que ça lui permettait, je pense aussi. Oui, de s'occuper de ses maîtresses et d'aller chasser. Voilà, d'aller chasser. Quand il était, pendant que François Ier était à la chasse, eh bien, elle s'occupait de trouver des financements pour faire la guerre ou pour les constructions ou que sais-je encore. Et alors, on disait tout à l'heure que c'est un homme qui est entouré de femmes. Hein, donc, mm-hmm. il y a sa mère, il y a sa femme. Oui. Donc, qui n'a pas un rôle déterminant, d'après ce que vous expliquez. Alors, Claude de France, c'est un personnage, c'est quand même la fille de Louis XII mm-hmm. et d'Anne de Bretagne. Donc, c'est une fille de France. C'est elle qui va permettre l'incorporation du duché de Bretagne à la France. Bien donc, sûr. C'est un personnage qui, quand même, est fondamental. Qui est central, qui est pivot. Voilà, qui est un vrai pivot. Elle a un caractère extrêmement effacé. Une vie certainement pas très agréable, entre des grossesses multiples et puis un mari bien qui multiplie les maîtresses. Elle meurt d'ailleurs d'une maladie que François Ier lui a quand même transmise, hein, c'est pas la pauvre. C'est une femme extrêmement pieuse, très respectée quand même, parce mm-hmm. qu'elle est quand même la reine. Hein, et elle correspond au canon de la reine, c'est-à-dire figure de pureté, figure donc un petit peu virginale. Mmh. Bien qu'elle ait évidemment eu beaucoup d'enfants, mais et en plus, elle accomplit quand même ce que sa mère n'avait pas pu faire. Anne de Bretagne n'avait pas pu offrir de fils, hein, d'héritiers. Elle va donner des héritiers à François Ier. Donc, on est toujours dans cette relation où les rois ont des maîtresses, mais en même temps, il apprécie quand même sa femme pour ce qu'elle lui apporte et parce qu'elle est la reine. Et donc. Une fois morte, une fois qu'elle a été morte, il s'est rendu compte en fait de la personne qu'il avait perdue. Voilà, mais bon, c'était un peu tard. Sa mère, oui. Sa femme, sa sœur, on en a parlé tout à l'heure. Sa sœur, et c'est important, quand il va préparer la seconde régence, il l'institue en quelque sorte héritière même de la régence. C'est-à-dire au cas où Louis soit empêché, ça serait à sa sœur de prendre la régence. Oui, alors ça c'est en fait, en 1524, François Ier repart en Italie. Mm-hmm. Début 1525, il est fait prisonnier à Pavie, c'est le désastre. Il est donc fait prisonnier en Italie, il y reste quelques semaines avant d'être transféré à la demande de Charles Quint à Madrid, où il mène une vie de seigneur, mais enfin, Charles Quint n'est pas très tendre. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui fait dans les sentiments. Hein, donc, voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là François Ier, alors qu'il est... Il est déjà prisonnier. Il s'est dit, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, la force de l'écrit est fondamentale. Il a institué sa mère à nouveau régente en 1523, il a renouvelé les lettres au moment de son départ en 1524 et il les renouvelle encore une fois en 1524, mmh. en 1525 pardon, et en 1525, comme il ne sait pas à quel moment il va pouvoir revenir dans le royaume, eh bien il institue donc sa mère régente, il lui donne la tutelle de tous les enfants royaux, fils et filles, et au cas où Louise viendrait à disparaître, parce qu'il faut dire qu'elle est très affaiblie physiquement, mm-hmm. Ça la mine de savoir son fils absent et puis à un moment malade, voire au bord de la mort, eh bien, il institue sa sœur, régente du royaume. Alors, elle ne le sera jamais, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle d'elle comme Marguerite de France. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, comme il est devenu roi, autour de lui, toute la famille devient de sang royal. Et c'est ce que vous expliquez, d'ailleurs, vous expliquez le concept de la théologie du sang royal. Est-ce que vous pouvez
Nous explique alors, ça rapidement, hein, pas. Eh bien, cette idée, en fait, qui est tout à fait exceptionnelle et qui est un petit peu miraculeuse, hein, c'est l'idée que à partir du moment où François Ier est devenu roi, eh bien, celle qui lui a donné naissance et qui lui a donc apporté son sang, eh bien, voit rejaillir sur elle, eh bien, cette dignité royale et donc le sang princier de Louise de Savoie se transforme en sang royal, d'où, j'emploie même ce terme de transsubstantiation, parce que son sang change de nature et on connaît le caractère ô combien sacré du sang de France et du sang des rois. Mmh. Voilà. Cool. Et elle élabore ce que j'ai aussi appelé une théologie du sang royal, parce que pour elle, eh bien, c'est fondamental pour se légitimer. C'est très politique, évidemment. Mmh. Alors, est-ce qu'on peut dire, François Ier est prisonnier à Madrid, est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle régence, c'est vraiment un modèle de gouvernement, vous dites? Oui, alors Là, elle déploie tout son talent de femme politique. Voilà, tout son talent de femme politique. 1515, on l'a dit tout à l'heure, d'abord François Ier ne s'est pas absenté très très longtemps, et en plus on l'avait dit, il est parti avec le grand sceau, donc elle gérait juste les affaires courantes. En 1524-1525, et notamment à la suite de Pavie, eh bien il faut gérer de multiples choses. D'abord il faut faire libérer le roi, donc là on est dans les négociations diplomatiques avec Charles Quint. Donc elle gère tous les ambassadeurs en Europe, parce qu'évidemment... comme on est en guerre contre l'Empire, eh bien, il faut essayer d'entretenir de bonnes relations avec l'Italie et aussi avec l'Angleterre, pardon, qui est un pivot de la politique diplomatique de Louise de Savoie, tout comme ça l'avait été d'ailleurs avec Anne de France. Donc ça, c'est un premier élément, c'est une femme diplomate. Il faut aussi gérer le royaume. Le royaume, il est en proie à l'insécurité. Mmh. Cette insécurité, c'est notamment celle de tous les pillards, de tous les gens de tous les gens d'armes qui reviennent de la guerre, qui ne sont pas payés parfois, et qui vont en fait aller piller le royaume. Donc en fait, le royaume souffre véritablement des pillards et des vagabonds. Donc elle va faire des ordonnances pour essayer de remettre le calme dans le royaume. On craint aussi une invasion anglaise et impériale. Donc en fait, il faut faire fortifier toutes les villes frontalières, tous les ports, etc. Il faut financer aussi tout cela. Donc elle est en quête de finances de manière perpétuelle. Alors évidemment, elle a des hommes forts autour d'elle. Mais c'est elle qui va quand même gérer absolument tout ça. Donc en fait, elle touche absolument à tout. Et avec talent. Et avec relativement de talent. Et finalement, on sait que François Ier signe le traité de Madrid. Non, ça, on va parler de diplomatie, justement. Mais oui. Bon. Parce que, effectivement, ce qui est intéressant, lorsqu'elle s'attache à faire libérer son fils, c'est pas à n'importe quel prix non plus. Ah non. Elle continue de négocier. Et donc, c'est des mois de négociation. Et ce qui est frappant, c'est que ce sont des mois de négociation entre femmes. Oui. Donc il y a quatre femmes qui sont dans le coup, si je puis dire. Oui. Donc il y a Marguerite d'Angoulême, sœur et fille de Louise de Savoie et sœur de François Ier. Oui. Et du côté impérial, du côté de Charles Quint, on a Marguerite d'Autriche qui est sa tante. Oui, qui est sa tante. Et Éléonore d'Autriche qui est donc la fille de... Non. La fille de... Non, c'est... La sœur de Charles Quint. Sœur de Charles Quint. C'est la sœur de Charles Quint. D'accord. Marguerite d'Autriche, en fait, n'a pas eu d'enfant. Ah oui, Éléonore, c'est la nièce de Marguerite d'Autriche. C'est la nièce de Marguerite d'Autriche. Et donc, ces quatre femmes discutent entre elles. Discutent entre elles, voilà, c'est ça, parce que... les femmes sont mues par un idéal de paix. Et donc là, on va parler de Cécile de Pisan. Voilà, c'est ça. Ces deux femmes, on l'a dit tout à l'heure, elles ont été éduquées ensemble, puisque, on s'en souvient, donc Louise de Savoie a été éduquée avec Marguerite d'Autriche. Elles sont relativement contemporaines et du même âge. En plus, elles sont belles-sœurs. Entre-temps, elles sont devenues belles-sœurs, puisque Marguerite a épousé en troisième noce Philibert de Savoie. Et elles s'entendent bien. Et elles s'entendent suffisamment bien pour discuter. Mmh. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est aussi que finalement, elles sont de la même famille. Elles sont cousines, elles sont tantes, parfois on peut être cousin, tante en même temps, belle-sœur, etc. Mais elles ont quand même des intérêts politiques qui sont totalement divergents, puisque l'une œuvre pour François Ier, son fils, et l'autre pour Charles Quint, son neveu. Donc elles ont des intérêts totalement opposés à défendre. Cependant, elles se connaissent suffisamment bien et elles sont suffisamment pragmatiques
pour savoir qu'il faut trouver la paix, parce que la paix ruine leurs pays respectifs. Oui, on a l'impression qu'elles veulent signer la fin de la récré. Elles veulent en disant, absolument. Voilà, les garçons, ça suffit. Et oui, c'est ça. Maintenant. Les finances sont à sec de part et d'autre, et donc il faut cette paix. Mmh. Voilà, et cette paix, elle est indispensable à la fois, donc, parce que d'un point de vue politique, elle est nécessaire à la stabilité des États, et aussi parce que c'est un idéal à atteindre, et que donc cet idéal, il est très présent notamment chez Christine de Pizan. Christine de Pizan, qui est une théoricienne du pouvoir du début du XVe siècle, qui a écrit notamment des livres pour Charles V, pour Charles VI, et pour Isabeau de Bavière, et elle... a écrit une phrase très célèbre, c'est que la princesse, et notamment la reine, doit être moyenneresse de paix. Ce mot moyenneresse, c'est-à-dire médiatrice. Mm-hmm. La femme se doit être médiatrice et elle doit conclure les traités. Alors ça, elle l'a écrit au moment de la guerre de Cent Ans, mais elle est toujours très lue au XVIe siècle. Toutes les grandes princesses connaissent ses œuvres et sa pensée. Et non seulement elles la connaissent, mais elles la font leur. Véritablement, elles s'en inspirent pour gouverner, d'où cette volonté d'arriver à la paix, de parvenir à la paix. Et d'ailleurs, quand François Ier est libéré, la paix il va falloir vraiment conclure la paix en Europe, et ce sont les femmes qui continuent. Oui. Elles continuent de négocier. Alors, j'allais dire, où sont les hommes? Que font les hommes? Ils leur laissent, on a l'impression qu'ils veulent plus discuter entre eux. Alors, et on va laisser maman et tante Marguerite s'en occuper. C'est ça. En fait, on va sans cesse de paix en guerre, de paix en ligue. Et en fait, finalement, tous les ans, il y a un basculement, sachant que l'Italie et l'Angleterre changent régulièrement de parti, donc soit du côté impérial, soit se placent du côté français. Et encore, quand je dis l'Italie, eh bien, il faut quand même voir qu'on a une multitude de petits États qui n'ont pas tous les mêmes intérêts ni la même politique. Et donc, en fait, François Ier et Charles Quint ont du mal à croire en la paix. Et puis, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que François Ier a trahi, en quelque sorte, le traité de Madrid qu'il a signé avec Charles Quint. Mmh. Charles Quint en a été absolument furieux parce que, il a libéré François Ier en pensant récupérer... Il a pris ses deux fils en otage. Oui, il a pris ses fils en otage quand même en échange, mais il a pensé récupérer la Bourgogne et puis à peine revenu, François Ier dit « Bien non, ce traité est caduque parce qu'en fait, je l'ai signé sous la contrainte. » Alors je dis voilà, trahi, peut-être que oui, peut-être que non, puisque finalement, si on regarde aussi le point de vue de François Ier, il n'a peut-être pas tort, il était prisonnier quand même depuis plusieurs mois, dans d'assez mauvaises conditions, et puis bon, il a réussi finalement à s'enfuir... à s'enfuir. Donc, les relations entre les deux princes sont très très mauvaises. Elles sont même exécrables et ils ne croient plus véritablement en une paix. Et ce sont donc les femmes, en effet, qui vont se mettre à traiter sans même véritablement leur dire au début, secrètement. Et pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, leurs ambassadeurs font des va-et-vient entre Paris et Malines. Enfin, Paris, ou la cour de France, disons, et Malines, qui est la cour de Marguerite d'Autriche, ils transmettent les informations des d'une princesse à l'autre, voilà, des propositions. Et à un moment où les choses paraissent aboutir, là, on fait entrer en jeu les princes, les rois, enfin, le roi et l'empereur, parce que on ne veut pas qu'un échec diplomatique puisse, leur être attribué. Mmh. Et donc, on préfère que ce soit les princesses qui soient finalement responsables d'un éventuel échec. Et donc, cette paix... Et finalement, la paix, c'est elle qui la signe. C'est elle qui la signe jusqu'au bout, en fait. Eh bien, elles sont dépositaires, en fait, du pouvoir royal d'un côté, du pouvoir impérial. Et François Ier se déplace à Cambrai. Alors que au moment où la paix vient juste d'être signée, Charles Quint, lui, ne se déplace même pas. Mmh. Donc, voyez-vous. Et donc, c'est ce qu'on a appelé la paix des dames. C'est ce qu'on a appelé la paix des dames. Donc, Marguerite et Louise de Savoie. Et puis, leur, comme on l'a dit tout à l'heure, leur nièce et fille respective. Voilà, quatre femmes. Et alors, nous allons conclure cette émission avec une question. Après avoir étudié donc Anne de France, Louise de Savoie, la question qui fâche, est-ce qu'il y a un pouvoir au féminin? Ou est-ce que ce sont des reines qui gouvernent comme des rois?
Reviens à la question du début, ces femmes qui gouvernent comme des hommes. Il y a un pouvoir au féminin qui est finalement très vaste, parce que dans le pouvoir au féminin, vous avez le pouvoir, alors quand elles sont régentes, vous avez le pouvoir quasi royal. Oui. Alors sans avoir la sacralité du roi. Ou même de la reine. Mais là, on parle de la France, dans l'Europe entière, nous avons des femmes qui gouvernent. C'est une spécificité, une spécificité tout à fait française. Donc, un pouvoir au féminin, c'est un pouvoir qui est calqué donc, sur le pouvoir royal, avec des composantes aussi féminines, comme on l'a vu, là, la diplomatie, la médiation, l'intercession, certains caractères aussi au niveau religieux, et puis aussi, je ne vais pas dire que les hommes ne s'intéressent pas aux arts, mais ce sont des femmes qui sont très lettrées, qui s'intéressent énormément aux arts, et Louise de Savoie a eu évidemment aussi sa part dans cela, en faisant venir notamment Léonard de Vinci à la cour. Voilà. C'est pas François Ier, donc il l'aurait fait venir. Oh, c'est probablement sur les conseils. Tout ce qu'on attribue à François Ier, c'est certainement sur les conseils de sa mère. De bon, on fera peut-être une émission sur François Ier à un autre. Mais donc ce pouvoir au féminin, il n'y a pas plus de douceur, comme on peut dire. C'est-à-dire, quand il faut faire la guerre, elles font la guerre. Quand il faut être rude, elles sont rudes. Oui, en fait, la seule chose qui les différencie finalement du roi, c'est d'une part, comme je l'ai dit, la sacralité. Elles ne sont pas sacrées. Donc ça, c'est la première chose. Et d'autre part, généralement, elles ne font pas la guerre au sens où elles ne sont jamais sur le front. Voilà, ce sont les deux choses qui les différencient. Après, elles gouvernent probablement comme des, aussi bien ou aussi mal. Aussi bien ou voilà. En l'occurrence, elles gouvernent plutôt bien toutes. Oui, mieux, je sais pas, mais elles sont quand même très douées en politique et finalement, Louise de Savoie a réussi à faire traverser des moments très difficiles au royaume. Donc, elle était douée pour la politique au même titre que finalement Marguerite d'Autriche, Anne de France, enfin que beaucoup d'autres princesses de son époque. Le pouvoir est-il plus doux? Pas forcément, non, même s'il y a justement cet idéal de douceur quand même. Il y a un idéal de douceur, de vertu. Donc on n'a pas forcément chez les hommes. Hein. Disons qu'on n'attend pas forcément les mêmes qualités d'elle, mais elle gouverne un peu à la manière des hommes. Oui. Bien. Ouais. Aubry David Chapie, merci infiniment, on aurait vraiment continué. Donc je rappelle votre précédent ouvrage Anne de France, chez Passé Composé, et celui-ci Louise de Savoie, toujours chez Passé Composé. Et autre chose, vous êtes commissaire scientifique d'une exposition qui va se dérouler à Tours en mars 2024, qui est Être femme entre Moyen-Âge et Renaissance, et l'exposition a pour titre Le sceptre et la quenouille. Voilà. Donc, commissaire scientifique de cette exposition. Vous parlez quoi dans. Ça va être parler de toutes les femmes de pouvoir C'est un peu plus vaste que ça, puisque c'est vraiment la question du pouvoir. Des femmes. La question du pouvoir est. Est abordée avec des objets donc relatifs au pouvoir des femmes, etc. Mais aussi leur quotidien, les modèles féminins, etc. La vision de la femme, enfin, c'est quelque chose qui se fait assez global. Vous reviendrez nous en parler. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Notre émission est terminée. Avant de retrouver Christopher Land et la petite histoire, je vous invite bien évidemment à cliquer sur le pouce levé sous la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt. Bretagne, c'est la fille du duc de Bretagne, François II, et de la princesse de Navarre, Marguerite de Foix. Elle est née en 1477 dans le magnifique château des ducs de Bretagne à Nantes. C'est là qu'elle grandit, une enfance de princesse avec une éducation soignée, et très vite elle se retrouve en tant que fille unique du duc au centre de toutes les préoccupations diplomatiques et matrimoniales. Pour la survie du duché de Bretagne, menacé par l'expansion du puissant voisin français, on la promet en mariage dès son plus jeune âge à tout un tas de princes. Genre, à 4 ans, elle est déjà maquée avec l'héritier de la couronne d'Angleterre. Non seulement c'est bizarre, mais en plus, avec un anglais, ça ajoute un côté encore plus dégueulasse, vous voyez. Rien que le fait d'avoir écrit ça, j'ai dû aller me laver les mains. Ensuite, elle est promise à d'autres en fonction des alliances et des intérêts du duché qui cherche à garder son indépendance et est très convoitée par toutes les puissances d'Europe. Finalement, le duché finit par être ruiné, affaibli par cette politique, infesté d'espions français même, et en 1488, les troupes bretonnes subissent une lourde défaite face à celle du roi de France à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier.
On en avait déjà parlé dans la petite histoire. S'ensuit le traité du verger au sein duquel il est noté qu'Anne, la seule héritière, donc ne peut se marier sans l'accord préalable du roi de France. Quelques semaines plus tard seulement, François II meurt des suites d'une chute de cheval, ça c'est con, et Anne se retrouve donc duchesse de Bretagne à l'âge de 11 ans. Sauf que, poussée par les seigneurs bretons qui craignent plus que tout l'appétit et la proximité du royaume de France, on l'a fait épouser par procuration Maximilien Ier de Habsbourg, futur empereur du Saint-Empire romain germanique. Bon, c'est un bon parti, je dis pas, mais pour la France, ça va pas du tout ça. Non seulement on nous encercle, mais en plus, c'était pas du tout censé se passer comme ça d'après le traité. Les Bretons, vous êtes bien gentils, mais au bout d'un moment, stop. Du coup, bah la guerre reprend, les Français prennent Nantes, puis assiègent Rennes, et Anne doit céder. Elle finit par épouser le roi de France, Charles VIII, puis elle est couronnée reine de France le 8 février 1492. Bon, Charles VIII était en soi déjà marié à une fillette de 3 ans, mais bon, il n'a eu aucun mal à annuler ce mariage. Ouais, je vous ai dit qu'il y avait des trucs dégueulasses dans cet épisode. La voilà donc passée de duchesse à reine de France, ce qui est déjà pas mal, quoi qu'en pensent les Bretons, mais c'est pas fini. Déjà, le traité conclu est très défavorable au duché de Bretagne, puisque l'objectif était avant tout pour la France d'enclencher le rattachement. Et puis dans un premier temps, ça va pas se passer de la meilleure des manières. Anne donne au roi plusieurs enfants qui meurent tous en bas âge, et en 1498, c'est Charles VIII lui-même qui finit par mourir des suites d'un accident. Cet accident, vous le connaissez peut-être, il a lieu à Amboise, et le roi meurt après s'être cogné violemment la tête dans le linteau d'une porte basse. Voilà, c'est typiquement ce qu'on pourrait qualifier de mort de merde. Elle se retrouve donc veuve à 21 ans et redevient pleinement duchesse. Mais à l'automne de la même année, elle est, comme le prévoyait le traité, remariée au nouveau roi de France, Louis XII. Sauf que cette fois, elle va négocier bien mieux les conditions de ce mariage avec pour intention de faire en sorte que le duché de Bretagne, son cher duché, conserve plus d'autonomie que dans l'accord précédent. C'est là qu'elle se révèle en femme d'État, justement, puisqu'elle négocie sévèrement ce remariage. Et avant cela, alors qu'elle était retournée en Bretagne après la mort de Charles VIII, elle s'est comportée en véritable duchesse. Elle a repris en main l'administration, elle a même fait frapper une monnaie à son effigie. Ainsi, lorsqu'elle se remarie avec le roi de France, cette fois, elle s'assure que les droits du duché seront respectés, que leur deuxième enfant aurait tous les droits sur celui-ci et qu'il conserve une certaine indépendance. Bon, au final, ils n'auront que deux filles et le traité ne sera pas respecté puisque la Bretagne rentrera pleinement dans le giron capétien et sera définitivement annexée en août 1532, près de 20 ans après la mort d'Anne. Le giron capétien, moi je trouve ça trop stylé comme terme. Et puis l'annexion, c'est les députés bretons eux-mêmes qui l'ont demandé, donc ça va. Car Anne meurt le 9 janvier 1514 après avoir passé son règne non seulement à assumer pleinement son rôle de reine de France, mais aussi à défendre ardemment les intérêts du duché de Bretagne. C'est pour toutes ces raisons qu'elle aura été une grande femme d'État et surtout, c'est quand même pas rien, à la fois duchesse de Bretagne et deux fois reine de France. Elle repose aujourd'hui en la basilique Saint-Denis aux côtés de Louis XII, mais son cœur, quant à lui, se trouve dans un reliquaire de la cathédrale Saint-Pierre de Nantes. Je trouve que c'est assez symbolique et que ça résume bien ce que fut la vie de cette grande dame, la plus bretonne des reines de France.